Hello les amis, nous allons aujourd'hui réaliser un dessin à l'aide du crayon télévision. Alors, qu'est-ce que c'est un crayon de télévision ? C'est simplement un crayon de couleur, double pointe, bleu et rouge. Il se gomme comme un crayon de couleur, donc il ne faut pas trop appuyer si vous voulez gommer les traits facilement. Ici, dans la vidéo, je gomme à l'aide d'une gomme électrique. Si cet outil vous intéresse, on avait fait une présentation. Il vous suffit de cliquer sur le cadre. Pour ce dessin, je m'équipe d'un carnet de croquis de la marque Canson. Bien entendu, j'ai besoin d'un crayon de télévision. Alors, il existe deux tailles. Une grosse qui nécessite un taille-crayon de gros diamètre et une taille standard. On va utiliser la taille standard. De manière optionnelle, je m'équipe d'une gomme électrique au cas où j'aurais besoin de faire des corrections et d'un roller gel pour les reflets. Alors, je commence par esquisser la forme globale du dessin. Les traits sont très légers, vous allez avoir peut-être du mal à le voir sur la vidéo. Il est important à ce stade que les traits de construction soient très légers. C'est potentiellement une étape où on a besoin de faire beaucoup de corrections. Par la suite, j'ajoute les détails et j'accentue les traits. L'avantage du crayon de télévision, c'est qu'on peut basculer d'une couleur à l'autre, du bleu au rouge ou vice versa. Les couleurs sont suffisamment opposées pour accrocher le regard. Le rouge permet d'englober les tons chauds et le bleu les tons froids. Si jamais vous avez besoin d'une couleur un peu plus forte que le bleu et le rouge, il vous suffit de superposer le bleu et le rouge pour obtenir une couleur plus contrastée. Sur cette démonstration, j'utilise le rouge pour le visage. Pour les yeux, c'est la couleur bleue. Ça permet de mieux accrocher le regard. Il n'y a pas de règle en ce qui concerne le choix des couleurs. Vous faites comme vous voulez. Le crayon de télévision est à l'origine un outil pour les comptables. Ça leur permettait de faire des annotations sur leurs documents. Puis par la suite, les dessinateurs se l'ont approprié. Bien sûr, si vous n'avez pas de crayon de télévision, il vous suffit simplement d'avoir deux crayons de couleur, un rouge et un bleu. Le crayon de télévision apporte un peu plus de confort, car on peut basculer d'une couleur à l'autre plus rapidement. Et c'est assez drôle de voir qu'avec simplement deux couleurs, on met en valeur les différents éléments d'un dessin. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a permis de découvrir cet outil. Il n'est pas très cher et il est encore moins cher si vous l'achetez par boîte de 12. Il est pratique, ce qui explique son succès auprès des dessinateurs. Si vous aussi vous utilisez le crayon de télévision, n'hésitez pas à faire partager vos astuces en lâchant un commentaire. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à faire un tour dans notre boutique. Il y a peut-être des produits qui vous intéressent. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et bien entendu sur tvhland.com. À très vite les amis. Ciao !